Louise envoie. Louise envoie. Louise envoie. Un petit Donald Westlake, dégâts des eaux. Je crois que c'est de Donald Westlake celui qui m'a le plus fait rire. Parce que Dortmunder est un cambrioleur émérite qui a des idées absolument géniales. Mais il est poursuivi par la poisse d'une manière qu'on ne peut pas imaginer. Et ce cher Dortmunder, en rentrant d'un cambriolage, va trouver chez lui, dans son appartement, un ancien compagnon de cellule que tout le monde croyait et espérait qu'il resterait derrière les barreaux pour toujours. Et ce dénommé Tom Jinson a besoin de l'aide de Dortmunder. Parce que quelque temps avant sa détention, il avait réussi un gros coup dont il avait enterré le produit dans la petite ville de Putkins Corners. Hélas, pendant qu'il était en prison, les autorités en ont lâchement profité pour édifier un barrage et engloutir toute la vallée, y compris Putkins Corner. Résultat, le butin gît désormais sous 20 mètres d'eau. Mais Tom a un plan, bien sûr, efficace et radical. Il suffit de faire sauter le barrage pour assécher le réservoir. Le reste, que les populations périssent noyées, ça, ce n'est qu'un détail. Mais un détail d'importance majeure, quand même, pense Dortmunder. Alors, il va essayer de détourner ce Tom Jinson de ses projets meurtriers et il va donc s'embarquer avec lui pour trouver une solution, dirait-on, abracadabrantesque, pour trouver le moyen de récupérer ce butin qui est sous ses 20 mètres d'eau. Alors, pas de problème, il y a de l'imagination et puis il faut un peu de chance. Et là, je vous laisse deviner, et plutôt vous ne devinerez pas tout ce qui va lui arriver. Et c'est à la fois des situations, des dialogues hilarants, qu'au bout des 78 chapitres, on a envie que ça continue encore. Mais Dégâts des eaux, il faut absolument le lire, parce que quand vous l'aurez lu, vous n'aurez plus un poil de sec tellement vous aurez ri. Bonne lecture.